Manuel. Ah, bonjour! Ben voilà, Salut! c'est un petit Michel, comment Hey, vas-tu? comment ça va? Oui, bah c'est Ça Michel. va jamais Comment se ça va? finir, les gars, Ah je bah vous le ben dis. oui, bah moi justement je voulais te voir, mais alors là c'est pas la même. Elle s'appelle Stéphanie, ta compagne. Oui, c'est Enchantée, Stéphanie, bonjour. elle chante également. Comment vas-tu? Comment et ton prénom, c'est pas Vincent? Parce que j'ai vu que c'est pas ton prénom Vincent? Ah non, non, moi mon prénom c'est Michel. Alors, parce que j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui avait Vincent et c'était la même tête que toi. Vincent? Oh non, encore Oui. un mec qui m'a copié? Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te copie et on te voit avec ta tête, c'est pour ça. Alors, je demandais, c'est pour ça. Bon, enfin, c'est pour ça, mon peuple. Comment vas-tu, Michel? Ben, ça va, parce que j'ai des nouvelles neuves. Là, je t'ai envoyé un message privé. Donc, pour l'émission, j'ai réussi à avoir toutes les infos et tout. Et je t'ai envoyé Pourquoi? le prix du cachet, etc. Je t'ai tout mis en Parce privé. que Donc. le problème, c'est que j'ai voulu aller voir, mais j'ai pas retrouvé. Et après, sur la fréquence que tu m'as donnée, c'est une autre radio, indépendamment, mais c'est pas la radio que tu m'as Non, dit. je sais pas J'ai ce que voulu tu aller veux. voir après Je te sur. renverrai en privé, mais là, je t'ai mis les infos en privé. Tu regarderas ta messagerie Instagram, il y a tout. D'accord, après, parce que j'ai voulu aller voir, mais c'est une autre radio au nom que tu m'as donné. Donc c'est pour ça que je vais te reposer la question. J'étais un peu dérouté, quoi, tu Non, non, vois, non, non, quoi. mais après, moi, c'est sérieux, là, j'ai même eu les contrats. Donc, Oui, pour mais je te l'émission. crois. Et pourquoi il parle de contrat, lui? Que je te crois, mais après j'ai voulu regarder. Tu sais, après, sur chaque émission de radio, il y a des références et ça correspondait à un autre nom. Oui, Donc c'est Eren pour ça que Jagger, j'étais ouais. un peu surpris. Après, que ça soit sérieux, je n'en doute pas une seconde, mais ça correspond. On n'est pas ce que tu me disais, donc c'est pour ça que je voulais aller Oui, voir. non, Est-ce que non, tu as mais passé. Est-ce y a que tu pas as de passé problème. une bonne semaine, Michel? Alors, ça va. Des petites wins au casino, donc ça fait du bien. Ça met du pain dans les Ah, bah épinards. ça. Et je crois qu'en parlant de casino, à l'entrée, ils sont physionomistes, les gens. Ils savent tout de suite à qui on voit. Bah, regarde quelqu'un qui a interdit le casino, Philippe Bouvard, qui a présenté les grosses têtes à la plus grande radio de France. Et oui, C'est il est vrai. interdit. C'est Mais bah, vrai. enfin, maintenant, il y a un peu de doute. Ils arrivent à tout de suite avoir l'œil si De on quoi que je débute, on n'aie. se regarde C'est comme vrai. ça. C'est vrai. Bon. J'ai deux nouvelles pour toi aussi. Parce Je que moi, t'écoute. j'ai continué. Là, j'ai déposé deux titres à la SACEM. Tout à fait, bah, c'est important de se protéger, hein. Vaut mieux, Et j'ai quoi. recherché sur les paroles la nuit. Ah, alors. Et ben du coup, il y a la mienne. Et il y a une chanson qui est un peu bizarre. Je te fais le refrain. Je vais te la chanter. Oui. Ah, Que bah, j'ai j'ai pas envie vue. de te sortir d'une chanson. C'est quoi que t'appelles bizarre? Bah, tu vas voir les paroles. J'ai juste récupéré les paroles du refrain. Et en fait, il D'accord. s'agit. Je pense que c'est un plagiat. D'accord, parce que moi, ma chanson aussi, je l'ai faite il y a un certain temps. Hein. Elle existe. Il y a peut-être la tienne, Ouais. il y a aussi la mienne. Bah, c'est Alors, pour ça. j'aimerais bien Bah, écoute, l'authentique. tu vas reconnaître. Ça fait. D'accord. Alors, c'est juste 4, 4. Ça fait. D'accord, C'était parce la que j'aimerais bien fille découvrir du. cette musicale, Michel. Ça m'intrigue. Ah, bah, attends, je te la chante. Bah, ça, c'est pas la mienne. Hein. Ça, c'est D'accord. une chanson que j'ai trouvée Oui, qui est oui. enregistrée sous la mienne. Alors, écoute. D'accord. C'était la fille du sommeil, c'était le fils du père de la nuit. Ah, il s'appelait Manu Cosmos et moi j'étais Jean-Michel Jarre. Ah non, bah c'est pas ça. Alors là, c'est ce qui est, à mon avis, c'est Nazim. Et tu sais ce qu'il a confondu avec Jacques Dutronc et c'est pas la nuit. Non, c'est pas ma chanson. Ça, c'est pas ma chanson. Bah, c'est une subtilité. Ça, c'est quoi? J'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est, ça. Mais je sais pas, c'est enregistré. Alors le nom de l'interprète, justement, c'était pas na C'était pas Nazim. Alors, c'est Attends, je vais peut-être quelqu'un retrouver d'autre. parce que je l'avais. C'est le gars, il attend pour monter. Il attend pour monter. Nazim, dis-lui quelque chose, parce que je vous ai vu. J'étais en train. C'était Manu Boutboul. Ah non, non, bah non, non. Je ne sais pas qui c'est pas moi en tous les cas. C'est la première fois que j'entends ces termes musicaux. Donc, non, William, je copie pas. C'est lui qui copie, malheureusement, ce Mais Nazim. tu sais Il sait pas. j'ai vu un forum aussi sur les gens qui copiaient. Il y a tout un truc avec lui. Il y a une centaine, en fait, j'ai trouvé une centaine de posts qui parlent de lui, d'artistes sur YouTube qui se font piquer les chansons par Nazim. Bah, ça m'étonne pas. Et même, il paraît que son restaurant, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est les gens sont malades, ont une indigestion, et il paraît qu'il donnerait du chat à manger, quoi. Et la dernière fois, quand t'es monté après, il croyait que j'utilisais du mal. J'ai dit non, Nazim, j'ai dit c'est les gens qui viennent qui se plaignent de toi, quoi. Non, mais Mais attends, attends, là, attends, c'est pas ça le problème. C'est que du coup, il y aura un retournement de situation et apparemment, ah il a bon? réussi à antidater des chansons et maintenant, c'est toi qui te fais traiter de copieur. Ah ouais, mais moi, j'ai rien à me reprocher parce que la différence, comme je dis à chaque personne, Nazim, déjà, il comprend pas le sens de mes chansons. Après, on a tous un style personnel. Moi, je dis une certaine subtilité. Il arrive avec sa guitare,
Mais malheureusement, ça correspond à rien. C'est, on est sur deux planètes différentes. Et là, je l'ai vécu il y a 3 semaines dans ma chanson La Nuit. Et ce qu'il a voulu faire, je déteste, terminant là, quitter une personne. Mais c'était du grand n'importe quoi, un manque de respect. Et résultat, ce qu'il fait, comme il ne s'est pas trouvé, attends, s'il n'a pas sauvé son style, il fait n'importe quoi. Alors dire que je copie, non, moi, je n'ai pas envie de copier. Comme toi, n'importe quel artiste qui se respecte, on a une histoire, un parcours, de bon comme de mauvais, mais on a certains styles. Donc les gens qui disent que je copie, ben non, moi je copie pas. Et l'autre que je veux te dire, je vais te prévenir, parce que ben maintenant, Emmanuel, je t'apprécie beaucoup, quoi. On commence à se parler un petit peu. Oui, parce que j'étais devenu par l'autre genre. Et toi, moi je suis du théâtre, j'ai une ancienne collègue du théâtre qui est montée, qui m'a retrouvé, je crois qu'elle a rentré un heure au événement. Parce qu'on a besoin de parler, prendre du recul par rapport à sa situation. Je t'écoute, Michel. Il y a aussi, j'ai trouvé, parce que j'ai fait des recherches, du coup, ça m'a pris une journée. Ben, j'imagine. Il y a le collège Saint-Péret de Gascogne qui en fait s'amuse sur des. Je les ai trouvés sur un forum du 18-25 qui viennent en fait sur tous tes lives. Hein, ils sont là. Hein. Il y a. Comment tu dis le collège Gascogne, quelque chose comme ça. Il y en a quelques-uns. Il y a Alex d'IGN, etc. Des mecs qui sont sur ton chat là. Et en fait, qui viennent juste pour te nuire. Hein. Ils sont sur le chat là actuellement. Ouais, bien ils sont ça. Juste là, en fait, ils rigolent entre eux. Et c'est des enfants. Oui, mais toi, ça, ce genre de personnes, Michel, j'appelle ça des véritables hypocrites, des faux culs. Ah ouais, parce qu'ils viennent. Mais pourquoi s'ils viennent pas, s'ils viennent, ils ont aucun style, pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais tu sais, un jour ou l'autre, bien ça juste, se retombe. C'est un peu, à chaque fois quand on essaie, la nature, on essaie de la détruire, elle reprend toujours le dessus. Moi, je suis comme un chat qui retombe, sur ses quatre pattes. Je sais pas si tu connaissais Roger Moore dans Le Saint. Il a des tuyaux à la police. Oui. Et ben moi, c'est un peu la même chose. On essaye, mais au bout d'un certain temps, quand je réagis, les gens peuvent, mais ils s'aperçoivent qu'ils font n'importe quoi. Moi, je le veux, moi, j'ai fait des animations, c'est pareil. Et Manu, autant, du coup, je vais quand même passer J'ai commencé dans ce métier, ça, j'avais des grosses difficultés, c'était la mauvaise période, mais je me rendais pas compte. Pas comme si les gens sont bons et ils peuvent faire des choses. Maintenant, j'ai pris du recul. Donc, les gens, ils peuvent essayer, mais ça va faire comme l'effet boulerang. On a perdu, malheureusement, Dany, et je pense à la tristesse qu'a eu Étienne Daou dans la chanson Comme un boulerang qui avait fait Serge Gainsbourg. Tu vois, ça va se reporter contre eux. Moi, ça m'atteint même pas. C'est une perte de temps. Je t'écoute. Mais quand même, je passe un message, hein, Alex, tous ces petits piges là de 15 ans qui sont tout frêles et qui, quand ils se mangent une balle de tennis dans la tête, ils pleurent pendant 15 jours dans les jupes de leur daronne. Faites attention, on rigole pas, nous. On rigole pas. Ah ben non, la santé, c'est le plus important. Eh ben oui, le respect, c'est important, quoi. Mais par contre, là, Nazim, il nous écoute parce que il veut monter après. Tu veux lui dire quoi de ta part? Parce qu'il doit sans doute écouter. Tu veux lui dire quoi de ta part, Michel? Je vais être peut-être un peu vulgaire, mais je l'encule. Oh. Voilà, je te le dis. De quoi? Je l'encule. J'en ai marre qu'il copie. Je lui dirai. Parce qu'il veut monter, il attend. J'avais dit comme ça, d'accord. Bon, ben, il va entendre comme ça. Il va peut-être entendre comme ça. Mais c'est dommage qu'il copie parce que... Pourquoi est-ce que j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'arrive pas à trouver son propre site? Tu vois, il fait une chaîne du YouTube. Et comme je lui dis, Nazim, il y a des gens qui sont beaucoup plus désespérés que toi. Au moins, tu parles. Essaye de montrer l'exemple. Et il est allé voir un psy, hein, il l'a dit hein, l'autre jour. Ah, bah, c'est ce que je lui ai dit. Et comment ça s'est passé? Ah bon? Ah oui, il l'a fait, il est allé voir un psy. Bah, je lui ai dit, peut-être de faire une thérapie, ça le fera le plus grand et bien. Alors, le psy, il en a parlé, le psy, parce qu'il est complètement dans le déni. Le psy lui a dit « Oui, monsieur, en gros, vous copiez. » Donc là, il expliquait sur un live privé, là, les lives à 100 euros, tu sais. Moi, j'avais la rediffusion. Il expliquait « Oui, le psy m'a dit que je copiais. » Moi, je lui ai dit non. Apparemment, il s'est énervé. Il a quitté la séance en plein milieu. Ça a dégénéré. Un fou furieux, apparemment. Et quand il en parlait, il avait les yeux rouges. Le problème, Nazim, quand on lui dit chaud, regarde la semaine dernière. Il était là. Il a confondu. Il a compris que je disais… je parlais du rock'n'roll ou de hard, et j'ai simplement dit tout copier. Et il a quitté, il a dit oui, tu me trouves gros. Mais j'ai été complètement paranoïaque. Je voulais simplement lui dire que tout copier, il a cru que je disais du mal du rock'n'roll ou du hard. Je n'ai jamais dit ça. Il est parti. Il a trop impulsif. Il a quand même dit hein, que tu faisais de la country pour se dédouaner. Oui, la country, bah, c'est faux. Moi, c'est du slam. Jamais écouté. Mais toi, il a mal compris. J'ai simplement dit que tu copiais. Il a compris, je disais du mal. Il est parti comme ça. Mais enfin, on a tous des défauts des qualités. Non. Mais par contre, faudra que tu chantes une de tes chansons, Michel. J'ai hâte de découvrir hein, ton style. Quoi. T'as toujours pas regardé sur mon profil, là, tu regarderas sur mon profil avec là où je t'ai envoyé le message pour la radio. D'accord, bah, je regarderai. D'accord, je regarderai. Je sais pas ce que j'en pense. Bah, pas mal les casquettes. On fait un truc. Manu, hein, tu regardes et la prochaine fois qu'on se parle, tu me dis ce que t'en penses.
Bah d'accord, comment pour ces 6 enfants? J'en ai parlé à ma maman parce que non, c'est des responsabilités. J'ai dit oh là là. Bah en fait, moi je les vois pas parce que du coup, c'est comme je t'avais dit, c'est 5 femmes différentes. J'en ai... Voilà. Là, j'en ai. C'est... Généralement, moi, c'est des filles de l'Est. Hein, donc, ils sont là. J'en ai plusieurs en Ukraine, malheureusement. D'accord. En fait, si ça t'a distrait, t'as des enfants un peu partout dans le monde et c'est pas trop dur pour gérer? Bah, je les vois pas. Après, trop mignon. J'en ai pas mal en Roumanie, donc ça fait pas trop loin. Puis avec l'Europe, on peut y aller, puis ça coûte pas cher. Bah oui, on peut y aller. Et nous, bon, moi, tu me dirais que les téléphones et les portables, on peut se parler, vous savez, ça doit être une situation, waouh. En tout cas, je te dis, bravo, c'est pas pour papa, moi, je me suis en occupé. Toi, on est tous différents les uns des autres, chapeau bas, bah, écoute, tu sais, des fois, on dit près, loin des yeux, près du cœur. Moi, j'ai quand même été sympa, je leur ai payé un magnifique appartement, un T2, je leur ai acheté, ça m'a coûté quand même 8000 euros. Là-bas. Ah bah oui, il faut aller d'abord. Déjà, pour trouver un appartement, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de papiers. Au moins, il faudrait qu'ils se rendent compte. Michel, je vais aller voir après. En tout cas, merci. Et la nuit, ce que tu avais, c'est pas moi. Moi, je l'ai fait une version il y a 3 semaines. J'ai fait ma version. Après, il a voulu faire ça. Je l'ai coupé parce que c'était catastrophique. C'est un fiasco total, j'ai entendu. Exactement, c'est dommage. Mais enfin, en tout cas, on reste en contact. Bah, viens la prochaine fois et tout le meilleur, mon cher Michel. Embrasse, bon Manu, garde la pêche. Et bah, mes invités à ta famille. Allez, beaucoup de bonheur avec ta femme, là, Stéphanie. Merci. Et on y va. Bonne chance, continue ainsi. Et merci, toujours un plaisir de te parler, Michel. Pareil. À bientôt, Emmanuel. Salut. À bientôt. Bah, on reste en contact. Salut. Ciao, ciao. Ah, Michel. Bah, finis de parler si tu parles. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends, mais finis de parler parce que t'es peut-être à ton animation. Oui, oui, c'est bon, parce que je dégustais un peu là, justement, l'instant là. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le dernier titre là que vous venez de chanter, il était incroyable. Bah oui, bah, j'ai de l'imagination, de la créativité. J'essaie de faire de la nouveauté sans bien se ressembler. Voilà. Comment vas-tu, Nazim? Alors, par contre, bah, en tout cas, je voulais te remercier parce qu'à chaque fois, tu évoques sur tes lives voilà, que j'ai eu une passe difficile et tu as toujours un mot sympa à mon égard. Et c'est vrai que ça n'a pas été. Non, ça pas par été contre, je viens d'avoir Michel. Michel, je viens d'avoir au téléphone. J'ai mais demandé. Qui est ce Michel là? Je ne le connais pas, ce mec-là. Ah, si, si. Et même, vous êtes parlé et il me paraît que c'est quelqu'un barbu. Ah, le Michel qui était avec vous là? Oui, oui. Ah ben, j'ai demandé comme je savais que t'écoutais. Ah oui, oui, c'est un artiste. Ouais, je vois qui c'est. Ouais, oui, on a c'est déjà ça. Échangé, oui, oui. Vas-y, écoute. Alors, j'ai dit, Nazim, écoute, c'est ce qu'il fait. Alors, j'aime pas être vulgaire, il t'encule. C'est ce qu'il me charge de te dire, quoi. Voilà. Pardon? Bah oui, c'est ce qu'il m'a dit, parce que je savais que t'écoutais. Et il dit, il t'écoutait, il m'a dit ça de ta part. Je lui ai dit, je veux lui parler après, t'attendais. Il m'a chargé de te dire ça de ta part. De ta part. Voilà, de transmettre. Par contre, Nazim. D'accord. Je suis arrivé un petit peu en retard, parce que tu sais pourquoi, Nazim? Je vais te dire pourquoi. Oui, pourquoi? Tu te diras pourquoi j'ai écouté. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis arrivé un peu en retard. Parce que j'ai écouté Nazim sur Omegaï. Et Nazim, autant je t'engueule, mais t'as pour ton animation. Et par contre, d'ailleurs, tiens, Manu, pour ta gouvernante, tu serais pas en train de me plagier là sur les contenus sur YouTube? Je vois que tu te lances sur Omegaï. Ah non, non, moi je plage pas, j'innove. Non, ce que je voulais te dire, pourquoi j'ai pas l'habitude de plager. Je fais ce que je ressens en étant moi-même. Et sinon, quand moi, je suis pas animateur, hein, moi je fais des émissions sur YouTube. Et je fais souvent de l'Omegaï. Et j'ai cru comprendre que vous allez faire prochainement une émission sur Omegle. Donc c'est pour ça. Non, vous êtes à l'œil, je vous regarde. Oui, non, j'ai dit j'aimerais bien y aller, mais je ferai ça de moi-même. Mais j'ai jamais dit que je copie, c'est parce que moi, je suis sur un artiste sur YouTube talent, je suis dans toutes les applications et je ne connais pas. Donc je plage personne. Bon, je viens ce soir pour te dire, alors je suis présélectionné au fait pour la Starac. Oui, attends, vas-y. C'est en partie grâce à toi. Attends. Nazim, ce que je veux te dire, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais en retard, je t'ai regardé, et le pauvre jeune homme qui ressemblait à Jean-Michel Barre, qui était torse nu. Par contre, Nazim, je sais pas comment tu la connais, la super chanteuse que t'as demandé conseil, une jeune belle diva aux cheveux blancs, j'ai beaucoup adoré. Hein. Elle est super. Elle est sacrément bonne. Ouais. Regarde les premières images de la Star Academy. Regarde. Non, mais Nazim, faut pas regarde. Dire. Nazim, attends, laisse-moi parler. Vois, est-ce que tu vois, j'étais sélectionné, ça c'était au casting. Là, on me voit en train de danser. Regarde. Bah là, on voit quelqu'un qui chante. Non, faut pas dire bonne, il faut dire jolie, gracieux. C'est péjoratif. T'as vu? Tu m'entends? Et ça, c'est grâce à toi. Ça, c'est grâce à toi, grâce au CV que j'ai composé DJ Boulboul. Bien sûr, hein, j'attendais ton aval. Ça va être remis justement sur le commerce. Alors que là, tu vois, les droits sont réservés à Nazim Cosmos. Ça te dérange pas? Le problème, Nazim. Oui, attends. Oui, mais le problème, Nazim, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que toutes les chansons que tu vas faire, comme tu ne sais pas inspirer, tu vas t'inspirer de mes miennes. Donc, ça peut copier. Tu vois, c'est ça qui me fait peur. Non, c'est pas copier. Je me suis juste inspiré de quelques titres. Regarde. Tout à fait, j'ai déjà compris.
La Ça fille fait du que ça. kebab, on mixe qu'une fois, on se relève 1000 fois. L'UIOP au Bah oui. boulot, le Mais fiasco tu t'assieds Tabasco. avec des chansons. Et en plus, tu croyais que je te faisais du mal. C'est pas moi, c'est les gens qui viennent à tes kebabs. Les gens sont malades, ils ont des indigestions. Il y a certains qui disent que tu leur Ah non, donnes non, non, pas du du tout. Non, non, tout se passe sang. bien. J'ai été. Non, 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 tout se passe bien. D'ailleurs, moi, non, mais mes kebabs, les gens se Bah régalent. non. Salade, tomate, oignon, d'ailleurs. Tu es le bienvenu, hein, un de ces quatre, si tu veux Ah ben venir je veux pour bien manger. venir justement, parce que je n'ai pas là ma famille, ça m'intrigue. Mais par contre, pour venir la jeune Oui, fille c'est à tout à Paris, dans l'heure. le quartier de Châtelet. Je t'enverrai l'adresse, justement, en privé. Ben j'aimerais bien venir Parce que là, voir. mais tu Mais verras, je tu n'ai vas te pas là ma régaler. famille. On va J'aimerais bien bien te voir. mettre. Enfin, voilà. Mais par contre, la jeune fille, il ne faut pas dire elle est bonne parce que c'est un peu péjorative. Elle est jolie, elle est gracieuse. Et puis tu lui diras, la jeune fille qui parlait, châta, vraiment, un charme, je ne sais pas, elle a quelque chose. C'est l'artiste quoi, Nazim? La seule que tu demandes des conseils pour le pauvre jeune homme qui était torse nu, un peu comme dans le Grand Bleu, Jean-Marc Barr, qui lui disait de ses capacités. Elle s'appelle comment cette demoiselle? Ah, Elle a quelque Jana, chose. celle qui a les cheveux rouges, qui a tourné dans le film de Oui, La Reine des Singes, et on a Lavina, ouais. caractère. Elle est excellente, Hein. cette fille, elle est sacrément bonne. Alors, Enfin, bonne tu, non, dans le bon sens, hein, du oui, terme, bien sûr. tu Hein. lui diras qu'un jeune homme est monté, il a regardé et je suis venu en retard parce que je regardais, puis après, sur Oui, un je la échauffé connais. volant. Alors, elle est sur Paris, alors elle viendra, elle sera là quand tu viendras au kebab. Comme ça, tu pourras faire D'accord, sa donc tu rencontre, lui parce dis qu'elle est simplement des exceptionnelle, cette bisous. femme. Tu lui diras mes amitiés, tu dis que tu connais quelqu'un et je lui souhaite bonne chance, la santé et ses projets. Je le recroise D'accord, dans bah tout ce qu'elle fait. je parlerai de toi à la jeune Et Jana. par contre, Elle sera elle ravie. parle bien. Elle a du caractère. Par contre, Nazim, Oui. continue, reste avec une amie comme ça parce que je suis sûre qu'elle doit se confier à toi. J'en suis convaincue parce que elle sait ce qu'elle veut, elle a du Oui, elle caractère. s'est Hein. confiée. Apparemment, elle aurait peut-être des sentiments envers moi. Donc ça, c'est Ah une. oui, mais après, c'est personnel. Voilà, Parce c'est que tu sais personnel. pourquoi. Voilà. Non, parce que les gens qui sont comme ça, ils sont incompris, mais je suis sûre qu'elle doit se confier. Après, c'est pas. Mais tu diras qu'elle a la suite dans les idées. Hein. Voilà! Ouais, c'est une. Hein. En tout cas, Et merci, hein, allez-y. merci de ton soutien, de regarder mes streams, mes émissions Mais sur c'est normal, YouTube. parce Et que je veux te dire je t'attends au tournant. Je vais te regarder sur mes gueules. Je vais suivre un peu ce que tu fais. oui, mais justement, moi, je veux te dire, Nadine, j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas comment on fait. Je me suis pris la tête. Je vais même Alors, il te faut une dire une chose, webcam. Il faut une webcam. Il faut un ordinateur. Ou alors, on peut le faire sur. Je crois qu'on peut le faire sur téléphone portable. Mais tu veux le Nadine. diffuser D'accord. où? Tu veux le diffuser sur Instagram? Ah bah oui, comme toi, Ah mais bah parce que je oui! vais te Ah bah dire, oui! maintenant, oui, mais je vais faire la même chose que toi, mais différemment. Je vais D'accord. te dire, Nadine. Je vais te dire, Nadine, j'ai passé la nuit à essayer de brancher, mais j'arrivais pas. Et le lendemain, j'ai pas réussi. J'ai vu le jour se lever parce que je voulais brancher, et j'ai même pas réussi. Alors, le lendemain, parlons pas D'accord, la donc il journée. faudra peut-être investir sur une deuxième caméra éventuellement. Alors, une deuxième caméra Mais et sinon, je quelques plus. t'inviterai à l'occasion, lors d'une émission, on fera ça ensemble, ça peut être Ah ben marrant. je reviens, parce que je sais pas comment faire. Mais non, ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit un message que j'aimerais bien venir, mais je sais pas comment on fait. Et c'est ça. Moi, quand je fais les choses, je ferai des animations, mais différemment. Je veux pas copier sur toi. Je fais comme je ressens. Tout On ce a que tous un je veux, vécu. tout ce que je veux voir, je veux pas que ce soit un fiasco total, ok? Je Ah veux que bah ce non. soit Ah maîtrisé. non, ah bah évidemment. T'inquiète pas, c'est D'accord, pas ok. ma première Donc voilà, animation. donc j'espère qu'il y aura du contenu et il faut pas que ce Bah soit évidemment. archi mauvais. Sinon, tu vois, Ah non, je non, meurs mais pour ne critiquer t'inquiète le pas. contenu. Par exemple, je dirais que Non, c'est archi non, t'inquiète mauvais, pas. c'est Oui, minable. hey. C'est un fiasco Alors, je vais te total. T'es dire, d'accord avec moi? Nadine, exactement, quand c'est comme un plat, tant que tu l'as pas goûté, tu peux pas savoir. Simplement, j'ai simplement dit un Compris? message, Compris? T'as j'aimerais compris? bien monter, mais oui, t'inquiète pas, ça va être bien. Je sais parler, c'est pas ma première animation, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je montais. C'est l'animation qui m'attire. Toi, je suis comme un ours qui est attiré par le bien, les petits abeilles qui, voilà. Mais en En tout tout cas, cas, Nadine, content de voir que maintenant, bon, à part pour la. Alors, du coup, tu as des conseils à me donner ou pas? Parce que j'ai passé la première sélection pour la Star bah, Academy, pourquoi? justement. Mais le problème, il y a Mais beaucoup de gens il qui reste s'affrontent. encore 3 étapes. Ça va être encore très très long, hein, pour Bah, les faut voir, mais tournages. faut attendre la rentrée et les gens sont en vacances. Mais moi, je veux pas que tu présentes mes chansons. On m'a dit que tu présentais mes chansons. Et Bah, le voilà, premier c'est. casting, malheureusement, j'ai dû présenter une variante. C'est Oui, la fille parce du que. sommeil, justement. Mais c'est pas la fille du Bah oui, soleil. c'est ce que tu m'as dit. Bah oui, mais le problème, c'est toutes les chansons que tu fais, tu t'inscris J'avais de moi. que ce CD, en Si fait, tu qui veux bien. restait. J'avais que ce CD, en fait. Je l'aurais donné à la production en bémol. Oui, bah oui, c'est où il y a Nico, ça tous les. Oui, et ça va revenir aussi, quoi. Ouais, Bah donc faut voir. malheureusement, il y avait quelques paroles que je t'ai empruntées. Donc j'espère. Bon, la prochaine étape, ça te dérange si je prends. Pour te rendre hommage, je chante la nuit, par exemple, la nuit, Non, ya! non,
Non, parce que je veux te dire, Nazim, j'ai pas besoin que tu rendes hommage, tu te sers de moi. Je suis encore là, je suis capable de dire la chose. Ce qui serait bien. Oui, mais j'aimerais bien être sélectionné. Tu as envie de me voir à la télé, sur TF1 avec Nikos, avec le jury, avec les professeurs. Mais ce que tu oublies, c'est que les chansons, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas toi. Donc j'ai pas besoin que tu me rendes hommage. C'est pas me rendre hommage, tu te sers de moi. Mais je le dirai sur TF1. Promis, si je suis à l'antenne en prime time, je le dirai. Oui, mais ce que tu as l'air d'oublier, Nazim. Moi aussi, j'ai travaillé en télévision. Je connais le monde. J'ai pas besoin qu'on parle à ma place. Je peux le faire moi-même. Donc, c'est. Non, c'est... ça me fait pas plaisir. Ce qui m'aurait fait plaisir, c'est que tu parles d'un thème avec tes mots, tes expressions, mais pas les miennes. Et encore une fois, tu n'aimes plus qu'un, tu copies. Donc, c'est... ça me fait pas plaisir. Tu te sers de moi. Imagine. C'est comme si je faisais quelque chose, la même chose que toi. Tu réagirais comme moi. Je fais quelque chose et je copie sur toi. Je vois ce que tu es en train de dire. Regarde, c'est ma chatte c'est ma chatte qui m'a fait renverser encore une maracas, là. J'habite à côté de chien, je sais pas si tu vois, je récupère des chats errants, là. D'ailleurs, je vais leur donner à manger. Oui. Je suis désolé de manger, je vais leur donner à bouffer, à tout à l'heure. Ah bah oui, mais c'est... Regarde, est-ce que t'as vu le film L'Homme ? Ah bah il est parti. Bah oui, mais c'est pas bien, donc ça me... Et le problème, c'est que Nazim, il fait des chansons, il a l'impression de me rendre hommage, mais il me rend pas hommage, il se sert de moi. C'est dans le sens que il n'emploie jamais ses expressions, ses mots, c'est toujours de moi et après, une variante. Maintenant, ça me fait pas plaisir. Donc, c'est ridicule. Et il faudrait qu'il emploie ses mots, ses expressions, pas moi. Alors, bon, Line Orange, je vais vous chanter la dernière chanson. Ah bon, vous il a parlé, il s'énerve. Mais moi, ça me fait pas plaisir. Il se sert de moi. Il a encore copié-collé. Merci Zizo chez Caracaille. Merci que j'ai le temps, je la doute. Mes chansons, ça n'a jamais été pour Nazim. Okay. C'est pour vous, le public, apporter du bonheur. Comme attends, il veut faire du compte. Les gars, on a appris pas mal de choses ce soir, les mecs.